Qu'est-ce que vous faites sur le trottoir, monsieur, avec vos motos? Ça se voit, non? Non, ça se voit pas, non. J'entends pas. On est en train de réparer! Et un trottoir, c'est fait pour réparer? Je vais commencer par baisser d'un ton, déjà. Déjà, toi, tu vas baisser d'un ton? On choisit pas que c'est qu'on tombe en panne! Ah ouais? Et c'est quoi ces appels pour coup de feu que j'ai reçus? Parce qu'on en a... Ça aussi, tu m'expliques? Déjà, tu me tutoies pas! Ah bah si, je te tutoie! T'as vu comment tu parles? Tu vas te calmer, on est en train de réparer la bagnole, il nous attire, qu'est-ce que j'en ai à tirer? Tu viens de nous agresser, direct. Bah ouais. Vous avez vu comment vous répondez? Je vous dis bonsoir, ouais, messieurs. Ouais, ouais. Je suis ton pote? Ouais. Et alors? Je suis ton pote ou pas? Non, mais c'est sûr que tu vas pas venir mon pote. Ouais, bah tiens, j'ai entendu là. Tourne-toi, va contre le véhicule. Je vais me faire enculer, c'est ça? C'est parti, toi tu viens au poste, toi tu descends de ta bécane. Descends de ta bécane. Dans un taser. Mec, qui tabasse, mais sérieux. D'accord. Et voilà. Encore. Et voilà quoi, tu t'attends à quoi? Bouge pas. Eh, c'est à toi que je parle, toi là-haut là! Je t'ai dit. Ta gueule! Ça va, Prez? Ouais, ça va, ouais. Tu peux enlever les cow-boys. Reste là, reste là, reste là. Je suis en appui, hein. Tu peux me noter. Une fois par jour, ça te suffit plus, toi, hein? Je suis en appui, hein, tu peux procéder au ménotage. Il est sur votre pote ou quoi? Bon, vas-y, menace-moi, parce que l'autre il a menti. Ouais, allez, venez avec moi. De la venez avec moi, on va se mettre contre le mur là dame. Et mettez-vous contre le mur qui est derrière là, hop, vous restez à côté de la moto. Ok, allez, écartez les bras. Eh toi tu vas te calmer toi là-haut là. Ouais ouais ouais, c'est quelque chose de dangereux dans ta vie. Ouais, le couteau flingue, ouais. Couteau flingue. Ça marche. Écartez les bras, je procède à une fuite de sécurité. Alors. Excusez-moi chef. Ouais, je vous écoute. Écartez-vous un petit peu quand même. Ouais, ouais, vous en faites pas. Voilà, je vous écoute. Ouais, peut-être falloir lui prescrire du Xanax à votre pote là, il est un peu chaud là. Donc, monsieur, je vous prends votre côté, votre pistolet là. Non, mais pardon, là. Pardon. Votre toi, pistolet, je te parle pas, toi. Attention, écartez un peu la veste. Voilà, je vous prends le pistolet avec, d'accord? Ouais, pas de soucis. Je procède à votre menottage, donnez-moi votre poignet. Putain, comme si on avait que ça à foutre, bordel. Oh là 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 là. Ok, d'accord. Vous avez monté dans le véhicule, mon collègue. Vous n'avez pas peur que ça clash là, parce que... Ok, bon, allez. Ah ok, il vous laisse dans la merde comme ça. Allez. Okay. Moi c'est bon, faisais pas les cons et puis bonne soirée. Bah on faisait pas les cons, on réparait notre bécane, c'est l'autre qui nous a agressé là. Je sais.
Ouais, bon bah je sais. Non mais... Croyez-moi, la prochaine fois, vous allez perdre un membre, hein. Je pense qu'il n'y a pas de prochaine fois, là. Vous allez pas le revoir, je pense. Vu ce qu'il est en train de dire. Oh. Enfin bref. Allez. Ah ouais, c'est encore un gros cowboy, quoi. Mais on n'a pas le droit de toucher. Exactement, okay. Arrivé hier, il a déjà tout, donc... Voilà. Ah ouais, en plus. À direct. Il est arrivé hier, il a déjà le rôle de chef de police, hein, donc... Hein? Un connard pareil! On a bien fait d'énerver les parties de la gueule! Merde, honnêtement, vous savez même pas comment je vous remercie. Allez, messieurs, bonne soirée. Bonne soirée! Attends, putain, j'ai raté son live. Putain de merde, j'ai coupé le son. A few moments later. Et attends, on a parlé de temps de mal, et on veut s'en faire un coup de temps de mal. Ah, je vous ai pensé! Ah, 117, ah ça y est, il est derrière vous. Bon les mecs. Nous on s'en fout. T'es où toi? Ah bah oui. Monsieur. Ah bonjour. Ah rebonjour même. Dis bonjour. On va dire ça. Bon dites-moi monsieur les feux rouges là. Ouais. Quand est-ce qu'on les respecte? Moi perso jamais. Vous jamais? Bon c'est bien moi vous le dites. Et vous monsieur? Moi c'est pareil. Moi je croyais que c'était pour les vélos ça. Pour les pélos. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez cartonner une voiture et qu'il va falloir qu'on aille voir votre femme, vos enfants ou qui que ce soit de votre famille pour leur dire que monsieur est décédé ou parce que en fait il s'en fout des feux rouges? Bah moi perso ça risque rien, je suis fils unique, j'ai plus de famille donc... D'accord. Et c'est bonjour. Pas moi, ouais, bonjour. Tard, on a une moto, vous savez comment c'est, on roule avec une moto. Ouais, on roule monsieur, mais quand vous avez passé votre permis, on n'a pas obligé hein, avec ce qui se passe en ce moment, les gens sont très excités. Donc je vais vous demander de présenter vos documents d'identité, permis de conduire et les assurances du véhicule s'il vous plaît. Ouais. Je vais commencer par vous. Laisse, 3 policiers pour nous. Bah oui hein. Et puis jamais hein. Criminel, ou... On sait jamais. Ah, c'était pas le bon... Bien, je vais le croire. Hop là. Le problème, c'est les autres. Le problème, c'est les autres. Vous voyez, il y a les Startuf là. On est à l'arrêt. Là, il va percuter une bagnole à 5 km/h. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je pense que vous avez vu. Si vous avez vu, vous avez dû nous prendre radar, je pense. Alors, c'est pour ça que je vous retiens pas de... Vous avez pu voir, voilà, on s'est pris aucune voiture et tout ça, on avait quand même une conduite correcte. Ah mais c'est bien ce que je dis. Vous êtes peut-être des motards aguerris, mais le danger, ce n'est pas vous directement. C'est les usagers de la route qui, eux, ont des fois du mal à savoir conduire. Croyez-moi, je fais ce boulot depuis très très longtemps et vous pouvez me croire que j'ai vu des choses qui sortaient totalement du normal. Ah justement, donc, si c'est eux qui foutent la merde, arrêtez-les, eux, pas nous. Oui, mais là c'est vous qui êtes en infraction, c'était pas eux. Quand c'est eux, on les arrête aussi, mais là c'était vous. Donc du coup, comme je disais à votre collègue... C'est pas dangereux là. Si monsieur. C'est même pas une question de dangerosité ou quoi que ce soit en fait, c'est une question de conduite. Il y a un code de la route, il est à respecter pour tout le monde. Nous on le respecte nous-mêmes, tout le monde doit le respecter. Ouais, je vous dis. Ah bah oui, c'est pas que je le dis en fait, c'est que je fais appliquer les textes de loi. Quand vous avez eu votre permis... Ouais mais attendez, les lois, ça a été écrit par des clampins, le cul assis derrière des bureaux, qui ne sortent jamais. Ils ont le cul assis derrière leur bagnole, c'est pour eux qui conduisent. Ah mais en attendant monsieur ils ont été élus hein. Donc bon peut-être pas par vous, peut-être que vous avez pas donné votre voix ou quoi que ce soit, mais ils ont été élus hein, dans un pays libre avec une démocratie. Vous pouvez me présenter du coup votre permis s'il vous plaît. Ouais vous étiez parti vous endormir un petit peu. Voilà. Je vous remercie, donc comme je disais à votre collègue, ça vous êtes certainement des motards aguerris, vous êtes certainement des motards aguerris, mais les gens sur la route eux sont dangereux.
Donc c'est aussi à eux qu'il faut faire attention. Donc là, je retiens, je verbalise pas ou quoi que ce soit. D'accord, je vais être plus dans la prévention que la répression. Mais vous êtes avertis. La prochaine fois, par contre, on passera au PV. Ah bah... C'est bien pris, monsieur. C'est bien pris, ouais, mais bon, moi, je vous le dis moi je vous le dis cash, je changerai pas ma façon de conduire. Hein. Moi j'ai une bécane, ah bah... elle doit être sur un certain nombre de tours minutes. Je vais pas rouler avec la mobilette de Pépé parce qu'il y a des connards qui savent pas rouler en ville. C'est pas, monsieur, c'est pas ça la question, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi un code de la route, chose que vous avez passé quand vous avez eu votre moto. Document que vous venez de me présenter. Ouais. On vous explique qu'au feu rouge on s'arrête. Ouais, mais ça c'est le temps de passer l'examen. Ah, bah, oui, mais après, le but c'est d'appliquer. Donc après, vous appliquez ce que vous apprenez à l'examen. Ouais. Parce que nous, notre mission, c'est de faire respecter tout ça. Donc si vous vous mettez encore une fois en porte-à-faux avec ça, nous derrière, on devra faire quelque chose. Voilà. Et il y a un jour où ça va se passer une fois, deux fois, trois fois, puis la quatrième fois, la moto, bah, vous lui direz au revoir parce que vous aurez une suspension de permis. Et une saisie de la moto. Et nous, c'est pas concrètement dans notre intérêt. Hein. Je me doute bien que vous êtes des habitués, vous êtes des grands motards, vous tapez un nombre de bornes inconsidérable. Ça, je le conçois. Mais maintenant, il y a des règles, il faut les respecter. Sinon, c'est très vite l'anarchie, sans faire rapport à votre gilet. Par contre, petite question, la police, vous n'êtes pas très obscur en ce moment. Un simple contrôle, trois policiers pour nous, tout ça énorme. Comment vous dire que tout à l'heure, il y a un officier qui s'est fait agresser pour un simple contrôle également. Donc bon, maintenant on sort un peu l'artillerie lourde, vous voyez ce que je veux dire, L'officier, c'est où? Je sais pas. Bah si, c'est mon presse qui vous a cogné tout à l'heure. Ah, donc du coup, faut que je vous arrête alors? Bah, est-ce que je vous ai touché, moi? Ah bah, vous, non, mais vous faisiez partie de la... Vous alors pourquoi vous voulez m'arrêter directement, là? On va pas repartir sur des mauvaises bases. Parce que vous étiez un témoin, et vous étiez présent sur les lieux. Bah alors pourquoi m'arrêter direct? Bah parce qu'en fait, quand c'est ça, on boucle le groupe, et après on voit au poste. C'est comme ça que ça marche, monsieur, hein? Bah vous croyez qu'on a que ça à foutre? Et nous? Vous croyez qu'on a que ça à foutre? Bah, c'est pas moi qui vient vous faire chier, à ma connaissance. Ben, je viens pas vous faire chier, je viens faire appliquer les lois. Si ça vous dérange, vous partez sur une île où il y a personne et vous prenez votre moto, et là vous faites ce que vous voulez. Bah non, mais je vous dis qu'on s'est rencontrés tout à l'heure, direct vous voulez me foutre au panier. Non, mais. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Ah si. On aurait voulu le faire, on l'aurait fait depuis le début. Bah. Vous êtes d'accord, hein? Excusez-moi, mais messieurs, je suis sourd ou c'est bien ce qu'il a dit? Ah ouais, je vous confirme, hein. Bah, ah ouais, ça va, je suis pas fou. Qu'est-ce que je fais? Je vous arrête? Bah. Ouais. Bah, c'est une question que je vous ai posée, est-ce que je l'ai fait? Bah, je sais pas, moi j'aurais commencé par dire, est-ce que je peux vous interroger au lieu de dire je vous arrête direct? Bah non, vous venez de m'avouer vous-même que c'était votre collègue qui m'avait frappé tout à l'heure. Bah alors, moi j'ai rien à voir avec ça, je vous ai pas touché. J'ai pas besoin de vous interroger, mais vous étiez présent, c'est pas pourtant que vous l'avez empêché ou vous l'aviez dit de pas le faire. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bah alors, pourquoi je l'aurais empêché? Il a envie de se faire un flic, il se fait un flic! Ben voilà, donc du coup, entre guillemets, du coup, vous savez comment on appelle ça? C'est de la complicité, monsieur. C'est de la complicité? Non, pas de la complicité. Sur un agent dépositaire, mais bien sûr que si, monsieur. Dans le pire des cas... Pas vous le laissez faire, c'est de la complicité. Bah attendez, vous êtes armé, non? Bah et alors? Ah, même mon arme, ça vous fait pas peur? Je l'ai sorti, mon arme. Bah justement. Elle était devant votre tronche, j'ai même pas eu peur. Donc c'est quoi le rapport avec les armes? Bon, enfin bref, on va pas refaire le monde. Non, hein, mais à ma connaissance, c'est vous qui étiez armé, nous on était désarmés. Monsieur, oui, ça je vous ai pas fouillé. Hein. Les motos, vous les garez plus sur le trottoir, vous les garez juste à côté là. Au moins que les gens qui sont sur le trottoir puissent circuler librement. Mais attendez, ça circule largement. Oh. Décidément, en fait, vous allez contrôler tout ce qu'on vous dit en fait. Bah non, ici, mais vous me faites chier pour une bécane. Non, c'est pas que je vous fais chier, je fais appliquer les choses. J'obstrue pas le passage à ma connaissance. Vous n'avez pas à être sur un parc, vous n'avez pas à être sur un trottoir, c'est tout, point barre. Pas tergiverser 15 ans, d'accord. Il y a des places de parking 50 mètres plus loin devant, vous êtes né avec des jambes, vous êtes en bonne forme à ce que je vois, d'accord. Vous utilisez vos jambes, vous marchez. Et si vous n'êtes pas content, et ben c'est pas mon problème. Je suis le plus fort! Ouais, chef! Nous sommes les plus forts! Oui, chef! On les aura! Oui, chef! La gagouine! Oui, chef! La gagouine! Oui, chef! Ah, oui, chef! Ah bah, c'est pas votre problème, c'est pas le mien non plus! Attention au ton que vous utilisez, quoi! Oui, mais comprenez, vous voulez pas comprendre! Vous voulez pas comprendre, comment je vous le dis, je veux pas vous faire un dessin, hein! No compris! Vous, accent, No good, pas good.
Non mais attendez, attendez, aussi, attendez. Je la vois, donc je vais pas me rabaisser, hein. Bah, je la vois parce que vous commencez à me saouler, là. Ah, bah si je vous saoule, monsieur, c'est pas mon problème non plus. Là, je suis un peu plus patient que mon presse, mais j'ai des limites aussi. Ah ouais. Bah écoutez, faites ce que vous avez à faire dans la boutique, là, allez acheter ce qu'il vous faut. Et moi, comme je vous ai dit, les feux rouges, ça se respecte, et le trottoir, c'est pas un parking. Ouais, bah on verra bien. On verra bien au moment venu. Alors, vous êtes averti, au moins. On pourra pas dire que vous l'avez pas été. Bonne journée à vous, monsieur. Ouais, ciao. Bonne journée. Allez, bonne soirée, messieurs. Au revoir, messieurs. 10 000 call 03 45, fin d'intervention. Ah, mais il se prend pour un cowboy, lui, c'est pas possible. Il y a des joueurs qui est arrivé, il va déjà foutre la merde.